On chauffe les pneus, on chauffe les pneus, on chauffe les pneus, on chauffe les pneus. Bonsoir, comment allez-vous? Moi ça va super, je sais pas pourquoi j'ai mis des lunettes, ça sert à rien. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Moi ça va nickel, les rétros trop bien réglés. Va falloir faire un petit truc synchronisation je crois. Si y a pas de synchro c'est pourri quoi. Trop de buée, tu as bué les gars, tu as bué. Oh là là. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent pour vous. Bref, j'espère que vous allez bien, surtout pour une nouvelle vidéo, un petit vlog qui fait plaisir. Au permis moto, bien sûr, à la moto-école, ça fait plaisir, en circulation. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un petit moto-vlog, mais j'espère que j'ai réussi à tout calibrer, le son de ma voix avec la caméra qui est allumée. J'ai bien sûr une oreille bouchée et j'ai beaucoup de buée. Ça fait plaisir. Et le temps est magnifique, comme vous pouvez le voir. Un peu frisquette, ça je peux pas le vous cacher, mais bon, et mon casque qui fait que se décoller, ça fait plaisir. Mon casque qui fait un bruit bizarre. 70 rappel, bon on est à 50 parce que le mec devant en cam 4, enfin en camion plutôt, avance pas. Bon, il ne fait pas si beau que ça aujourd'hui, hein. On n'avance pas, les gens dès que c'est 70 et qui pleut comme ça, et bien ils avancent pas, écoute, voilà. C'est la loi de la dure nature. On ne peut plus dépasser, donc en tout cas je regarde quand même à gauche, je ne sais jamais si y a un connard qui est devant. Bon, mes feux ils marchent parce qu'on veut toujours faire la vérif. Il faut vraiment qu'on ait un stop pour que j'enlève cette merde sur la visière. Hein. Parce qu'il n'est pas si beau que ça. J'ai attaché le casque, ça qui est bon. On ne sait jamais, toujours avoir le pied sur le frein. J'ai du mal à parler. Avoir le pied sur le frein. J'espère que vous m'entendez bien, même si le micro est en l'air en fait. Il n'est pas vraiment sur ma bouche. Mais bon, normalement vous m'entendez bien, mais je ferai en sorte que vous m'entendez bien. On va en face du coup dame. Oh putain. Le con. Le mec qui met le culot au dernier moment, qu'il avait mis à gauche. Eh ben non, il a pas remis. PD là, les pissous. Ah non, mais pas voilà, mais c'est vrai, c'est 30 ici. Non, je sais pas. Non, je me suis confondu avec Wallan un petit peu quand même. Faut que je me calme parce que Wallan, c'est pas Wallan. Yes, merci, j'avais oublié le pignot. Pas comme. Parce que oui, on a une oreillette en fait. Bon, je crois que je l'ai dit dans une des dernières vidéos. Et voilà, cette vidéo sortira avant les autres vidéos. Il n'y a pas un stop là. Que je puisse enlever cette putain de buée. Il y a combien de dodanes là? Oh putain. J'oublie tout le temps le clignot. Ça fait chier. Hein. Ça fait chier là tout. Alors aujourd'hui, chose qu'on va faire un peu. Un peu que de la ville, non? Non, j'ai dit ça peut-être, je sais rien. Ok, ah, c'est ça, on va faire un peu de ville. Je vais passer que le frein avant, mon gars. Le frein arrière, pardon. Yeah, j'ai réussi à enlever le clignotant pour une fois. Ça merde la pute, ou t'as sur le camion? Ouais, 4x4, hein. Gros 4x4. Au bout de la rue à droite. Et mais putain, j'ai gavé de buée. Comment ça se fait? Bonne question, je ne sais pas. C'est pas très dérangeant, mais un petit peu quand même. Ah là là, quel beau virage que j'ai pris. Ah là, c'est 30, on va se calmer. Bon oui, j'avoue, on va pas très très vite. Il y a des petits dots. Ah putain, je devrais pas rouler sur ces putains de plaques. Ah, c'est 70, mon gars.
Allez, blu. On regarde sur les 120, par exemple sur le manteau, hein, parce que mon téléphone il est mal attaché, tu vois ce que je veux dire. Ok, j'étais pas un cinquième, bon. C'est un petit peu normal que je galère. Et ben, tu t'en vas à la bouée, parce qu'à cette vitesse-là, normalement la bouée est 120. Putain de con. En plus, j'ai fait esprit de laisser des petits trous d'aération dans le casque, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai rien dans les poches. Allez, enlevez les bandes blanches qu'il y avait là. J'ai pas de Toyota, c'est bon. C'est bien, respecter la limitation de vitesse. En même temps, vous avez vu le temps, il fait pas si beau que ça. Hein. Et mon casque craque de partout, j'ai l'impression qu'il va se détruire tout seul. Au prochain achat de gaz, ce sera un casque, parce que là, ça fait vraiment pitié, c'est vraiment dégueu. Hein. Et il y a trop de buée dans ce putain de casque. Sur les côtés, je vois parfait, mais putain, je sais que ça avait en parlant, mais normalement, quand tu roules en moto, ça enlève la buée quand tu vas ben, vite, quoi, quand tu vas à une allure modérée, tu vois, une allure normale. Par exemple, quand j'ai 70, 90, tu vois, t'as plus de buée. Ben là, non, je sais baiser. Donc, les gars, c'est un bon vidéo. Pourquoi? Bonne question. Parce qu'en ce moment, quand on veut dire que j'ai la flemme de faire des vidéos, hein, je vais dire clairement, puis mon PC est en train de décéder tout seul. Voilà. Hein. Bon, ok, ça fait 4-5 ans que je l'ai, bientôt, je sais pas, ouais, bientôt 5 ou 4. Et ben, le problème, c'est qu'il crache tout seul. Par exemple, avec mon meilleur ami, je joue à GTA 5, normal, tranquille, quoi. Et comme par magie, mon PC, d'un coup, ça fait, il fait un bruit chelou, genre un bilip, bilip. Et ça fait ça, mais H24, hein, ça fait un bilip, bilip, bilip. Oh, je vais m'envoler, mon pote. Il y a trop de vent, il y a grave de pluie, c'est abusé, la caméra va s'envoler. Ah, j'ai mal, hein, j'ai fait sans déconner. Abusé. J'espère que vous entendez pas trop le vent par contre. Et j'espère qu'il n'y a pas mon téléphone local qui va se barrer parce qu'en fait ce sera un peu con. Bref, ouais, faudrait revenir sur le sujet principal, non? Ah, ça fait plaisir de refaire de la circuit, putain. Ça fait comme si je renaissais, tu vois. Comme si j'étais plus vivant, tout d'un coup. Allez, on va accélérer un petit peu là. Oh putain, il me tarde de vous montrer la moto là. Et oui, la vidéo dans la moto que j'ai, eh ben, elle va bientôt arriver. Normalement, je vous ai dit dans la vidéo, normalement, mais elle va bientôt arriver. Ouais. Ah, bonjour monsieur la gendarmerie, on a 66. On a vu le monsieur de la gendarme. Allez, on va accélérer un petit coup parce qu'on a une moto école quand même. Hein. Bonsoir là, monsieur. Ah, il va falloir que je vous raconte un truc. Vous le savez après parce que là, du coup, je suis en train de vous raconter quelque chose et ça confond tous les sujets. Et là, c'est 90, ça les fait péter, Momo. Momo, la friterie. Allez. Oh putain, j'ai l'impression qu'il y a deux vidéos dans le casque. Et mon casque se démonte tout seul petit à petit, tu vois ce que je veux dire. T'as mon écran. T'as mes deux écrans qui se mettent tout noir et t'as ma souris qui commence à saccader. Mon PC saccade de ouf par la terre et des fois, elle bouge tout seul. Donc, soit c'est un bug de mon PC, soit, ben, c'est voilà. Hein. Bon, désolé pour le micro qui est mal passé, je tiens à le dire parce que j'ai la flemme de l'écrire, je crois. Donc, autant le dire maintenant. Voilà, comme ça, c'est fait. Et la buée est vraiment énorme. Bon, voilà, c'était un petit, petite anecdote. Voilà pourquoi je ne faisais pas du tout, parce que j'ai la flemme, mais parce que mon PC déconne de ouf. Voilà, super. Ça nique toute ma chaîne. Ouais. Alors, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais voulu vous dire. Maintenant, j'espère que vous allez savourer ce petit motovlog, entre guillemets, hein, malgré le micro qui est mal placé, le truc à la bête, j'essaie de faire ça à la vis. Et voilà, la vidéo moto qui va partir arriver, la vidéo moto, bien sûr, qui veut dire que ben, ça va être ma première moto, quoi. Hein, voilà, ma première vraie moto, vous verrez bien ce que c'est, pour ceux que j'ai sur Snap, ben, ils l'ont vu, hein, forcément. Et là, j'ai l'impression de parler comme un guignol tout seul, voilà. Et je reçois masse de gouttes sur le casque, c'est abusé. Un truc de dingue, putain de camion de merde, ça fait plaisir. Voilà, je sais pas combien c'est et la route est vraiment caca. C'est violent quand je passe une vitesse quand même, hein. J'ai l'impression que c'est assez violent. Alexis, sur ta gauche, ou ben excuse moi la route elle est un peu petite. Alors par contre j'ai des gants, bon, on va dire divers, mais pas complètement, mais bon, voilà, t'as compris ce que je veux dire. Ok, faut que je sois plus à l'aise sur la bécane. Tranquilloute, biloute. Ok, j'ai passé une vitesse en même temps, la moto elle a sauté toute seule, j'ai rien compris. Et que des trousses de route, et dégueu. Faut vraiment faire gaffe, c'est gavé. C'est gavé dangereux. C'est gavé dangereux. Ah putain la vache. Donc voilà, vous allez voir ma moto, ma première moto, je vais faire une vidéo spéciale dessus. Je pense que je vais faire un peu plus de plans parce que j'ai déjà filmé les premiers plans. Mais voilà, hein, on verra bien, on verra bien.
Un petit doudan, c'est la route pour aller à la BGF, je crois. Je crois que c'est ça en plus. C'est la route pour aller à la BGF. On va éviter les plaques d'égout quand même. Ça serait un peu bête de se bouffer une plaque d'égout. Surtout un camion ici. Ça fait plaisir, on fait de la moto quand il fait pas beau. Ouais, c'est ça, c'est la BGF ici. On est où il y avait la Bordeaux Geek Festival à Bordeaux. Ben voilà, ce qui est logique, c'est à Bordeaux. Mais dans les hangars, voilà, t'as compris ce que... Oh putain, ça c'est casse-couille en moto, sa mère. C'est la première fois que je prends ça en moto, mais putain, j'ai la preuve que c'est casse-couille. Oh la vache. Bah oui, je parle un peu de tout et de rien dans cette vidéo, parce que ça fait plaisir. La circulation qui fait plaisir, mon gars. Il nous a pas dit deux fois. Bon, on est tout droit, du coup. On ralentit un petit peu. On ralentit un petit peu. Clignotant à droite. Donc je passe mon permis lundi 19 décembre. Bon, on a mis un peu... Non, c'est bon, j'allais dire, on met un petit peu le clignotant trop tôt. Mais non, pas vraiment. Dans le rond-point, tu passes à la troisième en moto, bien sûr. Allez, c'est celui qui essaie de rester le plus longtemps possible. Ah, voilà, je me suis chié. Bon, j'espère que vous entendez trop, bah, pas trop le vent, parce que c'est un peu relou. Je suis obligé de laisser ouvert ce vent-là. Bon, allez, on ferme parce que je suis gentil. Mais voilà, hein, y a trop de buée, c'est vraiment casse-couille. Le bus ne coupe pas la route, on est des motards quand même. Bon, des semi-motards. J'espère que la caméra, je l'ai bien placée parce que j'ai galéré un petit peu avant de partir quand même. Ouais, hein, faut dire, c'est un peu la galère. Ah, lui, il vient de trottinette électrique tranquillement. Oh, voilà. Sinon, la moto, c'est au paradis, les copains. Ouais, je sais quelqu'un qui va rigoler parce que ça va faire. Oh putain, il a sorti une vidéo. Ouais, comme par la personne est stoppée. Hey, ce serait gentil. Merci beaucoup. Parce que comment vous dire que c'est la première fois que je fais un motovlog comme ceci. Ah, on va à l'aéroport de Mérignac. Bon, l'aéroport de Bordeaux, bien sûr. Ok, je vois que dalle, on va aller sur la voie rapide. Si je dis pas de conneries, on va aller sur la voie rapide. C'est bien ça ou pas? Ok, mauvaise idée de moi, je veux dire. Ouais, tu fais une piste sur la gauche, comme ça. Et voilà. C'est 80 ici, putain, on est con. Sa mère, je suis passé avant le camion, c'était chaud de night. On voit trop bouger la tête, j'ai l'impression, parce que j'ai vu, faut que j'arrête de bouger la tête un peu partout. C'est tout, faut que j'arrête de bouger la tête. Hop là, tu vérifies, tu regardes, et on a bord de lac. Ouais. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de laisser le clignotant. C'est quand tu tournes, c'est comme en voiture, tu mets ton clignotant quand tu dépasses. Ouais, j'espère qu'il n'y a rien qui va se barrer, j'espère que vous m'entendez bien, pas trop de vent, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Sinon, voilà, je sors pas trop de vidéos parce que j'ai pas trop envie, puis j'ai un peu la flemme de vous faire le montage. Là, ça va être pas si compliqué que ça, même si je kiffe faire du montage. Hein. Là, je continue tout seul en fait, mais je kiffe faire du montage, vous le savez très bien, mais voilà. Ah, moi, j'ai pas forcément envie en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop l'envie. J'ai plus envie de. Bah, voilà. Alors que j'ai dit que je reprenais les vidéos, tu vois, donc je me contente tout seul, ce qui est totalement con pour les autres. On est à 80, c'est bon. C'est bon, j'ai doublé juste avant le radar. Putain, je suis un putain de malade. Je suis un putain de malade. Je suis un putain de branque. Je double comme ça. Et, oh putain, la bosse qui fait flipper sa mère à pute. Bon, normalement, en moto, tu vas être un peu plus rapide, tu vois. Mais il y a un radar, il se fait enculer. Pourquoi il nous fait rouler à 80? Oh, oh, sa mère, la bosse. Oh, donc, je te déjà le couillon, le guillon, j'allais dire le couillon. Bon, toi, tu vas me lâcher la grappe avant. Tu vas me lâcher la grappe, tu t'es dans le filet là. Et tu vois, ça ne fait pas trop, hein. Ça ne fait pas trop. Je vais me faire rabattre parce que voilà. Hein. Parce que voilà, je te laisse passer, vas-y, fais-toi plaisir. C'est bon, t'as un gros connard qui me colle au cul, c'est bien. Ça fait plaisir. Allez, la moto, comme ça rentrait déjà dans la tête. Oh, ça sent bon. Ah, vous pouvez pas sentir, mais ça sentait les churros mélangés à je sais pas quoi. Bon. Ça sent le poney là. Ça sent le poney, ouais, ça sent les chevaux. Et vous savez, dans les box. Ça. Putain, sa mère. J'aurais dû rétrograder. Oh, oh, sa mère. Putain de flotte de merde. Une flotte gavée. J'espère que vous avez rien sur la caméra. Mais s'il y a quelque chose sur la caméra, je suis baisé par contre. Hein.
parce que je pourrais pas faire quoi que ce soit pour voilà. Mais ils arrivent, c'est bon, je vais pas tirer un petit coup, tu vois. Oh putain, j'aurais pu y aller, sa mère. Oh ben le clignotant, ben ouais. Oh putain, le camion il m'a fait peur, sa mère. Oh la pédale, deux mecs là avec sa Golf. Hein. Putain, il avait les feux gibrés ou quoi. Ils ont killé à. T'as mis de les taper les gens. Et en plus, que je suis qu'au permis, j'ai même pas encore le permis quoi. Le con. Oh le con. Alors là, je sais où on est. Petite dédicace à ma soeur, garde les mix. Parce que là, on est derrière où elle faisait du foot avant. Et puis je sais qu'il y a pas ses potes qui regardent mes vidéos, du coup, mais je préfère que dédicace à elle, tu vois. Donc voilà. Allez, le camion, le camion, le camion. Ah bah allez, oui.